room, you put your luggage. C'est déjà la chaîne. Comment tu arrives là? J'ai pas vu la chaîne radio. Bah, là, oui. Après, je peux même pas voir. Oui, mais je suis plutôt. J'ai entendu, mais je crois que quelqu'un dit. Je crois que la borne. Comment tu arrives là? J'ai pas vu la chaîne radio. Bah, là, oui. Après, je peux même pas voir. Bonsoir. 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 Voilà, donc on vient dans ce nouveau lieu, la maison de maître qu'on avait fait en urbex. Donc là, on va procéder à une enquête ce soir, on va voir s'il peut y avoir quelque chose. Bon, là ce soir, pour info, il y a du vent, hein, donc ouais, on peut avoir beaucoup de bruit, on va voir. La maison est bien dégradée, comme vous allez voir dans la vidéo. Vous avez pu le voir aussi sur l'urbex, mais entre temps, il y a du monde qui a dû passer parce qu'en bas, c'est bien, bien saccagé. Donc je sais pas du tout. Sinon, bon, quand on est arrivé, on a eu des problèmes de batterie. Hein, des appareils avec les batteries vides déjà. J'ai une GoPro, batterie vide complète aussi, donc je sais pas. Alors que ces problèmes de matériel ou pas, je sais pas, à vérifier. Donc voilà, bah, sinon ce soir, bah, bon, comme vous voyez, bah, il y a Lilou et il y a Sébastien avec nous. Voilà, ça sera la première enquête. Voilà. Allez, à plus tard. White Spirit Box, B2. White Spirit Box, donc là, c'est ça. Là, on trouve donc la vitesse de balayage. Donc là, c'est ça. Là, ça va scanner de 76 à 85. Pas de fichier de ramène. Donc là, c'est un peu dégueulasse, et comme là, déjà parlé. Mais à 4 points ici, c'est pas dans le mur. C'est quoi, c'est dans le mur? C'est quoi, c'est dans le mur? À 4 points ici, c'est dans le mur. C'est bien. Bah, on est dans le mur. Oui, on va mettre plus de temps, mais qui... Est-ce que vous, est-ce que c'est vous qui créez tous ces problèmes de matériel? Pouvez-vous me le dire? Par défaut, on dit, il se dit, hein, qu'en fait l'identité, pour pouvoir essayer d'entrer en communication avec toi, il leur faut de l'énergie. Et donc l'énergie, ben, il n'y a plus où ils peuvent. Donc tu vois comment elle est.
encore quelqu'un dans cette maison. Y a-t-il quelqu'un ici? Sinon, ouais, le signal est tellement fort que... Vous pouvez essayer de nous dire quelque chose? S'il y a quelqu'un, vous pouvez essayer de faire un bruit, un grand bruit. Le William, c'est la même chose que tout à l'heure. Alors, on va le mettre là-bas. Dedans, parce que là-bas, on le prend bien. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être un endroit cloisonné, machin, à étroit. Alors, on va mettre les petites antennes.
compliqué. Ça. L'appareil qui est au sol? Oui, pour gauche et non pour droite. Alors, je crois que ça va bien. Ah oui, non, oui, non, oui, à gauche. Oui, c'est ça, excusez-moi. Cela vous dérange qu'on soit là? Y a-t-il quelqu'un à l'étage? Le souci avec le vent. Ah ouais, ouais, je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est là, là, regarde. Là, tu l'as là, t'as la fenêtre. Et ça donne dans un truc en bas, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Là. Et là, c'est la petite porte en bas. Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est un machin à charbon, peut-être. Vieux truc.
temps. Le cul de 16. Ouais, non, mais le problème, c'est que toi, tu comprends pas, c'est pas toi qui fais les montages. Je te prends les deux bonnes. Ouais. Elle va aller s'allumer. Il n'y a plus de batterie, mais pour le moment. Elle va commencer à gueuler pour voir si elle va. Allez. Étage. Vous pouvez au moins juste me dire à moi. 22, 22. Sur l'appareil, s'il vous plaît. Est-ce que cela vous dérange qu'on soit là? Vous pouvez essayer de passer devant un des appareils pour indiquer votre présence. Non, mais après, partout où j'ai les fers, quand même, j'ai pas eu la radio. Ici, c'est la seule endroit où l'antenne doit être pas bonne. Donc, on enchaîne, parce qu'ici, des fois, on a des radios qui se marchent les unes sur les autres. Donc, si il y a une fois, après, quand tu le sais. Par terre, vous avez un petit pot, si vous vous approchez, ça va faire des lumières, ça va sonner. Est-ce que vous pouvez vous approcher du petit pot? Juste pour vous montrer que vous êtes là avec nous. Ah oui, si tu le tapes peut-être. Je lui donne un petit coup. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ah si. Ouais, faut taper fort, faut pas taper aussi. C'était statique. Comme il y a du vent dans l'air, est-ce que ça peut pas réagir aussi? Ouais, bah ça va être autre chose là qui peut. C'est pas la même chose. C'était bon.
chaud, on chauffe des trucs en biais, là, ça en a. On chauffe des rendus en biais. Bon, bon. Pas moins que... Non, non, rien, c'est lourd. Hein? Non, c'est pas lourd. Ok. Tu vois? Je ne sais pas français. Tout à l'heure, c'est du moment. C'est la maîtrise. Ouais, c'est toujours la maîtrise, ça. Tu vois, dans les 87, c'est des bananes. Attends, je sais pas. Ils ont pas une radio XP ou au camping? Une radio camping? Radio camping. Radio camping, tu sais, en genre. Non. Dernière nouvelle, non, il est au camp. C'est pas un camping paradis? Non. Sinon, c'est un camping paradise? Ah, peut-être pas, j'ai mis les fréquences quand même. Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît? Vous pouvez venir toucher l'appareil que j'ai dans les mains? J'ai pas changé la pile, mais il est toujours dans notre travail. Et puis là, tout à l'heure, je l'ai essayé et il marchait. Je sais pas. Non, sinon, c'est les deux qui les ont. Est-ce que vous connaissez les personnes qui sont venues faire de la Ouija dans cette maison? Vous pouvez dire leur prénom? Faites-nous un signe n'importe lequel, un bruit, un coup.
Il tape sur les parents mobiles. Oui. C'est vrai. Oui, il y a du vent. Mais bon, après, spécialement. Moi, je ne sens rien de. Non, non, non. Ça va. Si en fait, on est. Tu vois, on reflète des lumières sur le carrelage de la face. Ouais. Le carrelage de la cuisine. Et toi, Seb, tu en as comment? Rien de. C'est noir, ça fait beaucoup de choses fortes sur l'escalier, c'est normal. Ouais. Moi, je ne sais pas si c'est le nom de Chine, mais c'est chaud, je ne sais pas. Dans le voisin, normalement, ça devrait parler et essayer de répondre à des questions. Dans le voisin, je ne sais pas. Nous, on n'a jamais eu de vraiment de répondre direct à ce qu'on écoute. On a eu des phrases bizarres. Des phrases. Une fois, on a eu. Ben, ça dépendait en fait du lieu, en fait, où on était. Le lieu où c'était passé, en plus, ce soir-là. C'est 10 maisons pourries. Il y a deux pièces dans les maisons pourries. Mais en fait, dans la maison, on a une des rituels sataniques, si vous connaissez ça. Il avait sacrifié une chaise et il était joué dans la cheminée. Et nous, la seule phrase qu'on a entendue dans la soirée à Skybox, à un moment donné, c'était rituel. Là, ça fait bizarre qu'on fasse le temps sur un site ou deux. C'est le chien qui rentre. Ouais, vous avez un peu chelé comme votre frappe. C'était où ça? À Manioc. Il n'y a pas une fois, on l'a eu, mais tu vois, normalement, toi, c'est sur plusieurs fréquences. Et moi, ce que j'ai d'habitude, c'est sur une autre radio, c'est pas sur celle-là. C'est une autre radio, en fait, où le stand de fréquence est aléatoire. Ça n'a jamais fait. Ça n'a pas fait un 6, 37, 38. Ah non, 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 c'est vraiment aléatoire. C'est pas qu'il va générer un code aléatoire. Il va sortir une fréquence à la fois. Merci. Non, toujours une fréquence. Donc, ça, c'est une fréquence. Et donc, on ne peut pas avoir de fréquence pareille ensuite. On a entendu, c'est vous tirez vous, mais chaque fois que je suis entendu, tu vois. Là, là ça se calme, tu vois, ça change de fréquence. Donc, tu vois, c'était la même voix. C'était toujours la même voix. Tout se dit je, la même voix, c'est vous tirez, ça fait je, vous tirez vous. Et c'était chaque fois la même voix. Parce que c'est jamais la même fréquence. C'est toujours la même voix. Tu sais, c'est dans la radio, quand tu parles en anglais. Le problème, ça pourrait, mais ce qui est bizarre, je veux bien que ça soit une radio, mais c'est quand même des fréquences. Quand tu lis, pourquoi ça soit toujours la même voix? Après, je ne peux pas savoir ce que c'est. Je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dire. C'est de la radio, ou de la chaise, c'est des machines bizarres pour les. Je ne veux pas dire, c'est le temps qui me dit ça.
ça va fonctionner. Donc si elle ne fonctionne pas, lui, il ne voit pas. C'est la dernière que j'ai achetée, ça ? Non. Non, je ne vais pas mieux, là-bas. On va arrêter. Vous pouvez, s'il enclenche un des appareils ? Chez Seb pour indiquer que vous êtes ici avec nous. Vous lui mettez la main sur l'épaule. Dire le nom du propriétaire de la maison. Non. Je crois que. Ouais. Ça arrive de tarder. Ça va être une enquête très rapide.
Je vais faire un montage. Ah ben d'accord. Mais à part m'avoir niqué toutes les batteries. Oh, la batterie est vide. Et puis, c'est bizarre qu'il ait déchargé le bateau. Il a dit hier, mais normalement, je vais toute la nuit avec. Ah, j'ai pas fait longtemps. Là, ça fait quoi? C'était chargé au fond. Ah ouais. Là-dedans, c'est une pile 9 volts. Il a chargé à fond, tu sais. Je l'ai tout de même remis à charger. Bon, allez. Ah ouais. Mais là, tu vois, quasi. Oui, là, je vais dire quasiment. Je comprends pas, peut-être la batterie là, qui a une dépense là. Mais on les avait chargés, je sais pas. Ben surtout que oui, l'avantage tu les avais chargés direct. Ben oui. Ben, on les a mis en charge pendant 2 jours, hein. C'est bon. Hein. Si ça n'a pas chargé, ça a plus chargé. Hein. Après il peut avoir un défaut des batteries. Ouais, tu as scotché, ouais, ça fait 1 heure à peine. Hein. 1 heure déjà la batterie. L'enquête est finie, on va s'arrêter là parce que personnellement, personne ne ressent quelque chose ici. On sent bien que c'est une maison vide, le problème aussi avec le vent et tout, c'est un peu compliqué. On n'a rien, sur les radios, sur la radio brûlant, on entend de la radio. Hein, donc c'est bizarre, mais bon, sur la, sur la 87, en fait, voilà, on a une belle radio. Hein. Donc bon, ça sert strictement à rien. Ben, je vais vous laisser le mot de la fin. À part qu'on n'a rien ressenti et qu'aucun appareil s'est déclenché. Voilà, à part les batteries vides. C'est dommage pour la première enquête de Seb. Même en essayant de parler en demandant des absents. Voilà, c'est ça, mais non, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu sens que c'est... Non, tu pourrais y rester la nuit et tu n'auras rien quand même. Voilà, c'est ça. Non, c'est bien une maison bien vide. Ouais, bien abandonnée. On aurait pu avoir, mais après, c'est vrai que quand on avait fait déjà l'urbex, par défaut, on ressentait pas grand chose de plus. Hein. On ressentait pas qu'il y avait quelque chose, un vécu, quelque chose. Donc voilà. Bon. Bonne soirée à tout le monde. Puis encore merci de nous suivre.